Thank you.
Apollo, bonjour. Bonjour. Très heureux, vous savez, mon papa est enterré ici, c'est vraiment le lieu là où ma famille est originaire vraiment d'ici, même si j'ai jamais vraiment vécu ici, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je reviens sur la terre de mes ancêtres. Puis je viens aussi dans le cadre du déploiement des Congolais. Et c'est vrai qu'on a eu des cellules, notamment ici à Matamoro, mais ailleurs, dans les provinces. Il y a eu énormément de dynamisme, il y a eu beaucoup de courage. Parce que c'est vrai que dans les provinces, à l'époque, être un Congolais debout, c'était vraiment s'exposer et c'était vraiment dangereux. On a eu beaucoup, beaucoup de nos membres qui ont pris beaucoup de risques, qui ont été inquiétés. Et c'est ça aussi le message d'aujourd'hui, c'est que ma première visite après 4 ans au Congo, il y a un travail qui est fait avec les LCD de Kinshasa, mais le LCD, c'est un mouvement de masse qui a pour objectif de toucher toutes les couches de la population congolaise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et donc c'est les provinces. On est un pays qui a une vocation principalement rurale, et donc c'était important que dans ce premier voyage, je puisse symboliser l'importance que nous donnons dans le mouvement, au déploiement du mouvement dans la province. Sénégal, Apollo reçu tel un roi, les chefs coutumiers, la population. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec cet accueil? Mais c'est bien parce que, vous savez, on est issus d'un terroir, et un terroir c'est une histoire, c'est une culture, et je pense qu'on doit mettre en valeur et honorer notre culture et nos références traditionnelles. Donc c'était très bien, j'ai trouvé ça très sympathique. Vous savez, chez les Bakongo, on doit faire les choses comme il faut. Donc on s'est assuré que le protocole soit respecté. Et puis que quand on vient chez quelqu'un, on vient chez des gens, on respecte leur culture et on rend hommage à leur culture. Donc je pense que les choses sont très bien faites comme il faut.
Allô, 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 allô. Thank you.
Y a
Toyemba nzambo na biso, nzambi sambula esieto. Qu'on puisse avoir des élections libres,
que nos droits soient respectés, que notre dignité soit respectée. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit oui, dites-le à vos membres. Tout le monde au Congo sait qu'aux heures difficiles que le pays a traversées, on doit à tous ces Congolais qui ont pris le risque de s'exposer, on leur doit la reconnaissance. Donc voilà, je ne veux pas beaucoup trop parler, parce que je crois que le message que j'avais à vous délivrer, c'était celui-là. Mais juste pour conclure, je voudrais remercier chacun d'entre vous, parce que l'appel que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour une idée du Congo, je l'ai fait pour une certaine idée de la dignité et des valeurs, mais c'est moi qui ai fait cet appel. Et chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, m'a répondu. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui mon sentiment. Je suis heureux d'être parmi vous, mais surtout, je suis fier. Je suis fier d'être un Congolais debout. Je suis fier d'être un Congolais debout parmi tous ces Congolais debout qui incarnent pour moi le courage, qui incarnent pour moi les valeurs, qui incarnent pour moi une idée de la dignité d'être Congolais debout. Et cette chemise que j'ai aujourd'hui, quand je m'habille le matin et quand je la mets avec fierté, avec sens de responsabilité et avec la joie de savoir que c'est un symbole qui m'unit dans le combat à chacune et à chacun d'entre vous. Pour ça, merci beaucoup et maintenant je vais vous céder la parole pour que vous puissiez me poser vos questions. Merci beaucoup. Madame a posé la question sur la discrimination. Parfois, les Congo se sentent humiliés, se sentent méprisés, se sentent ignorés dans la gestion des affaires du pays. Cette question n'est pas une question d'aujourd'hui, c'est une question qui dérange la relation entre le peuple des Congo et l'ensemble de la communauté nationale depuis très longtemps. Il y a eu des épisodes qui ont heurté la sensibilité de notre communauté. Je crois même dans ma famille, on peut dire que ce qui s'est passé avec mon père, les injustices qu'il a subies ont été vécues pas seulement par lui, pas seulement par sa famille, mais par toute la communauté comme une injustice qui est faite à un des leurs. Alors je crois la réponse à cette question, il faut la rapprocher de la question de notre ami ici, notre frère qui a posé la question sur
On ne vous a pas entendu sur la question de Demon Nsengi. Parce que la question fondamentale, c'est la question de la solidarité. Est-ce que les membres de cette communauté négociés sont suffisamment solidaires les uns avec les autres? Et je crois que nous, dans les mouvements citoyens, c'est ça notre travail. C'est cultiver, renforcer les valeurs positives. La solidarité est une valeur positive. Donc, même si nous, les Congolais debout, nous ne sommes pas là pour commenter l'actualité politique, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des chroniqueurs, nous sommes là pour travailler avec la population et nous sommes là pour nous engager dans des combats citoyens. Mais il est clair que partout où les droits des citoyens sont violés, partout où les libertés des citoyens sont confisquées, partout où la dignité des Congolais ou d'un Congolais est mise en danger, c'est là l'endroit où vous trouverez un Congolais debout pour défendre la dignité des autres et pour lutter pour ses droits. Et moi, en tant que Congolais debout, que ce soit dans le cas emblématique que vous avez cité, comme dans tous les autres cas, je me tiens également debout pour défendre ces droits. Maintenant, pour la question qui a été posée sur l'emploi, sur le travail. On m'a dit qu'il n'y a pas de travail au Congo central. On souffre. L'économie ne fonctionne pas. L'argent ne circule pas. Les familles sont appauvries. Les jeunes ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas gagner leur vie. Ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas avoir une maison. Ils ne peuvent pas soigner leurs enfants. La dignité de l'homme, c'est pas seulement ses droits. La dignité de l'homme, elle est liée à sa situation économique. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Le Congo, c'est un scandale économique ou un scandale géologique. » C'est vrai. Mais si vous prenez la situation spécifique de la province du Congo central. Là, c'est plus encore qu'un scandale. Parce que cette province a tous les atouts pour être un émirat presque arabe au sein de l'Afrique. Si vous regardez le fleuve fait de cette province le point stratégique par lequel tous les échanges commerciaux de l'extérieur du monde entier vers l'intérieur du pays et de l'intérieur du pays vers le reste du monde, tous les échanges passent par cette province. Depuis que je suis petit enfant, mon père, qui était un des plus grands entrepreneurs, homme d'affaires, capitaine d'industrie, que ce pays est connu, m'a parlé du port en eau profonde de Banana ou de Moana. Et on a dit non, ce port doit exister. Il doit exister parce que le Congo, c'est des dizaines de millions de populations qui sont enclavées à l'intérieur d'un territoire qui ont besoin d'exporter des biens, des services et d'en importer. Mais depuis 40 ans que j'entends cette histoire, toujours pas de port. Ça
on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu de port en 40 ans, alors que la population qui était de quelques dizaines de millions, maintenant je crois, dans le pays, on est peut-être 100 millions. Et les estimations disent que dans 20 ans, on sera 150 millions d'habitants. Si on ne comprend pas pourquoi il n'y a toujours pas de port à Banana pour accueillir des grands bateaux, alors peut-être dans 20 ans, dans 40 ans, il y a quelqu'un qui va venir ici et qui va encore se poser la même question, mais pourquoi 40 ans plus tard, il n'y a toujours pas de port? Donc on doit réfléchir, c'est une question centrale. Nous-mêmes, membres de cette communauté, on doit prendre notre destin en main d'une manière responsable, d'une manière constructive, toujours dans le cadre de la communauté nationale, mais nous-mêmes devons nous poser des questions, mais comment on fait pour développer notre port? Deuxième exemple, Inga. Inga, c'est aujourd'hui, dans le monde, peut-être le meilleur projet qui existe en termes de potentiel, le meilleur projet. Pourquoi? Parce que il y a trois grands problèmes dans le monde. Il y a le problème de la pollution. On se rend compte que l'énergie est en train de tuer la planète. Et dans toutes les manières de fabriquer de l'énergie, la plus propre, c'est encore les barrages électriques. Inga, c'est aujourd'hui le plus grand barrage du monde à construire. Moi, j'ai visité en Chine le plus grand barrage du monde qui existe à l'heure actuelle. Il a pris 30 ans à construire. Ils ont commencé à construire à une époque où la Chine n'était pas le géant qu'il est aujourd'hui. Et quand j'ai posé la question aux ingénieurs qui ont travaillé sur ce grand barrage qui s'appelle les Trois Gorges, j'ai posé la question, mais comment vous avez commencé? Parce que nous, au Congo aussi, on est un grand pays. Peut-être on est voué, on est promis un avenir comme une grandeur comme la Chine. Mais on n'arrive pas à réaliser un grand projet comme Inga. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, la première chose, c'est le mandat. Si vous vous appropriez vous-même le projet en disant ça, c'est notre responsabilité, on doit le construire nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir de l'extérieur qui va venir avec la solution, c'est nous-mêmes, avec notre travail, on va le développer. C'est comme ça que vous arriverez. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'aide internationale, c'est avant tout le mental. Donc cette question du mental, elle est très importante. Parce qu'on demande, mais est-ce que les Bakongo sont bien représentés? Mais est-ce que vous, est-ce que nous sommes sûrs qu'on est vraiment conscients de qu'est-ce que ça veut dire d'être un Bakongo? Quelles sont les valeurs que nous portons? Quelle est notre capacité à être solidaire entre nous? Quelle est notre capacité, au lieu d'attendre que quelqu'un de Kinshasa vienne pour régler nos problèmes, que nous-mêmes on puisse commencer à générer des solutions à nos problèmes, que nous-mêmes on puisse se sentir responsables pour réaliser notre potentiel économique. Et tout ça, c'est aussi ça le travail des Congolais debout. Si on se réunit ici, c'est pour qu'on réfléchisse, mais on a tel problème. Qu'est-ce que nous-mêmes ici, on peut créer comme solution pour résoudre nos problèmes? Moi, vous savez, j'ai grandi, j'ai vécu, j'ai été éduqué par mon père. J'ai quelques membres de famille qui sont ici présents, parce qu'évidemment c'est chez moi, j'ai des cousins, j'ai des cousines, j'ai des membres de famille qui sont ici. Ils savent que mon père et moi, nous étions très proches, plus proches qu'un père avec son fils. Avec tout le respect et l'amour que j'avais pour mon père, j'étais quelqu'un qui était comme un compagnon de combat, de lutte avec mon père. Tous les matins, mon père me réveillait vers 3h30, 4h du matin. On restait une heure à discuter tous les deux.
Ce que j'ai appris de mon père, c'est que ce qui est plus important, que est-ce que les choses vont bien, est-ce que je suis riche, est-ce que j'ai du succès, ou est-ce que les choses vont mal, plus important que ça, c'est quel genre d'homme je suis. Merci pour la question. J'aimerais peut-être commencer par la fin, la dernière question. Et les représentants de nos autorités traditionnelles qui m'ont fait la grâce et l'honneur ce matin, à moi-même ainsi qu'à la délégation qui m'accompagnait, de nous recevoir au port de la ville afin que culturellement et le mode traditionnel, les choses puissent être faites correctement et que notre visite puisse être un succès incontestable. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir tout organisé pour ma réception. Merci. Et puis pour répondre simplement à votre question, nous devions vraiment partir aujourd'hui, mais nous avons décidé de pouvoir reporter jusqu'à demain pour pouvoir notamment rencontrer les autorités traditionnelles, parce que comme mouvement citoyen, c'est très important que nous comprenions la situation des populations, les préoccupations des populations, les attentes et les risques que cette société de Matabon, mais de manière générale de la province, ressent. Donc pour répondre à votre question, oui, nous sommes disponibles pour cette rencontre. La province du Congo central continue à végéter suite à l'absence d'un leadership responsable. Et les syndicats, tout le monde qui a dit qu'il y avait un peu de intervenir dans un mouvement d'enseigne. Mais jusque-là, on n'a pas senti position et de la mission syndicat par rapport à la situation aujourd'hui. Déclaration mon corps et syndicat par rapport à un décollement passé. Et jusque là, nous comprenons que apparemment, comment ça traite si souvent nous allons dans la coin d'aller. Donc, on ne sait pas jusque là, mais qu'on a mis sur tous ces syndicats, peut-être sur position d'ailleurs, par rapport à la situation, il y a un décollement passé. Et même si nous avons ce syndicat, et si nous sommes les démocraties. Les trois mots qui sont les piliers de l'homme que je suis. Et c'est ça la question que je vous pose, que je vous pose. Nous, comme communauté des Congo, si on devait se définir en trois mots, est-ce qu'on serait capable de tous de dire quels sont ces trois mots? Et c'est ça le travail que je vous invite, que je nous invite à faire. C'est la réflexion. Comment est-ce que on va être des Congo, mais des Congolais de nous? La dignité, comment est-ce qu'on va trouver la dignité? Pas en la suppliant à quelqu'un d'autre, pas en se fâchant parce que bon, l'État aurait dû nous régler les problèmes de l'école, l'État aurait dû nous régler les problèmes de l'emploi, l'État aurait dû régler les problèmes de la santé. Mais nous-mêmes, comment on va se prendre en main? Quelles sont nos valeurs? Comment on va faire pour créer la méritocratie? Vous savez, moi je crois que le plus grand problème au Congo, c'est la méritocratie. C'est-à-dire que le plus capable, c'est celui qui va arriver le plus en haut. Est-ce que nous, dans la communauté des Congos, est-ce qu'on arrive à promouvoir le plus capable? Est-ce que celui de nos enfants qui est le plus intelligent, c'est celui-là à qui on va donner la chance de fleurir? Ou est-ce qu'on va donner la chance de fleurir à celui qui fait le plus de problèmes?
qui est le plus violent avec nous, qui est le plus compliqué, qui n'apprend jamais, qui fait toujours des problèmes. Ça, c'est le travail de la citoyenneté. C'est le travail sur le citoyen. Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est pas je dois réfléchir au problème de l'autre. Je dois réfléchir à mon problème. Si le Congo n'avance pas, c'est pas parce que Mobutu était une mauvaise personne, ou Laurent Désiré Kabila a été une mauvaise personne, ou Joseph Kabila a été une mauvaise personne. On doit se poser la question, moi-même comme citoyen, quelle est ma part de responsabilité dans la vie que j'ai, dans les problèmes que j'ai? C'est seulement comme ça. Sauf qu'il y a un Mongoli, Isaïe, Makani, Sinangai, que je me transforme dans une force active, positive, constructive pour mon environnement, pour ma famille, pour ma ville, pour ma communauté et pour mon pays. Donc le combat des Congolais debout, c'est le combat de la solidarité. Vous avez dit, Némonansebi, moi je dis, en général, la solidarité. Pas la solidarité parce qu'il est Congo seulement, mais la solidarité parce qu'il a droit à la justice. Il a droit à un traitement équitable. Moi je dis, j'ai entendu les arguments dans la communauté, on a dit, non, mais comment est-ce que on peut arrêter Némonansebi comme ça? Et en même temps, un assassin, un meurtrier, un cannibale comme Gédéon Kimungu, lui, il vit dans une maison climatisée, avec voiture, avec etc. Comment c'est possible? Est-ce que c'est juste ou c'est injuste? C'est injuste. Alors on ne doit pas accepter l'injustice. On doit la dénoncer en général, pas parce que c'est quelqu'un qui est un membre de la communauté, mais parce que l'injustice, d'une manière générale, nous devons la combattre parce que c'est une anti-valeur. C'est quelque chose qui va nous retenir en arrière. Donc moi, je ne connais pas personnellement Némonansebi. Je ne suis pas une cour de justice, je ne suis pas un tribunal. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il mérite d'avoir un traitement qui est équitable et juste par rapport aux autres personnes qui sont dans des situations comparables. De la même manière qu'on a dit pour les Bakongo qui sont sous-représentés. Vous savez, mon père m'a appris une chose. On ne peut jamais être plus fort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si nous sommes faibles dans la représentation nationale, c'est parce qu'à l'intérieur de la communauté, nous ne sommes pas assez forts. On doit d'abord se construire à l'intérieur de la communauté, entre nous. Est-ce qu'on parle entre nous? Est-ce qu'on s'aide, on s'entraide entre nous? Est-ce qu'on travaille entre nous? Après, quand on sera fort entre nous, là, vous verrez que naturellement, nous serons plus forts et mieux représentés parce que nous aurons une meilleure conscience de nous-mêmes. Donc voilà, ça, c'est le travail aussi des Congolais de nous. Et je veux vous dire quelque chose de très important. Ce dont on est en train de parler maintenant, ce n'est pas du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. Parce que le même discours de la conscience de soi, de l'engagement citoyen, d'arriver à être un citoyen actif dans sa communauté pour la construction et le mieux-être de la communauté, c'est la même question qui se pose à Mbanzanou, qui se pose à Banumbuli, qui se pose à Inego, qui se pose à Kalemi, qui se pose à Kasumbalesa, c'est partout. Le citoyen, c'est quelqu'un qui construit autour de lui et qui change sa manière d'être pour changer le destin de la communauté nationale. Ça, c'est le secret et ça, c'est le combat des Congolais de nous. J'ai beaucoup parlé, je vais demander à Maître Hervé de résumer, parce que ça, c'est très important, que nous tous, on se comprenne bien pour comprendre qu'est-ce que c'est le combat des Congolais de nous. Est-ce qu'ils ont football? Est-ce qu'ils ont rugby? Est-ce que les athénistes, nous tous, on doit bien comprendre, ça c'est le combat. Merci. Alors, syndicat de Colomb Bantangongo, avec les militants de la LCD et la population de Bantangongo, que peut-on retenir de cet entretien?
Écoutez, c'était d'abord un moment très émouvant pour moi parce que c'est évidemment Banzangungu, la terre de mes ancêtres. Et puis vous savez que c'est une ville dans laquelle on a eu un énorme soutien au niveau des Congolais debout à un moment où c'était dur d'être un Congolais debout. On a beaucoup de gens ici qui ont eu le courage de porter nos couleurs, porter leurs casquettes, de porter leur écharpe, leur t-shirt à un moment là où c'était passible de prison, à un moment là où c'était passible de poursuite. Et donc c'était important pour moi de venir d'abord et de remercier pour cet engagement. Et puis deuxièmement, d'expliquer que ce n'est pas la fin des Congolais debout. Nous allons nous réorganiser dans le cadre d'un grand congrès au cours duquel nous allons définir les prochaines étapes de notre engagement. Et c'est très important pour moi d'être ici parce que les Congolais debout, c'est un mouvement national, un mouvement de masse. Et donc, ce n'est pas que Kinshasa. Le Congo, c'est avant tout les provinces. Et donc, ce qui nous importe, c'est être en mesure, un mouvement capable de comprendre et de refléter, de relayer les préoccupations du Congo profond. Parce qu'à la fin, c'est ça qui est important. Pour un mouvement citoyen, c'est d'arriver à refléter les difficultés, d'arriver à refléter les attentes, les inquiétudes des populations auprès des décideurs afin de trouver des solutions concrètes. Donc c'est exactement le sens de cette venue ici. Et je pense que c'était un grand succès. J'ai beaucoup apprécié l'échange, c'était discipliné, c'était beau, c'était congolais debout. Donc j'ai envie de faire une invitation. Bon, l'un de vous va se mêler en politique ou bien vous restez un mouvement citoyen et la suite c'est quoi? Alors justement, toute l'idée c'est qu'au Congo, nous pensons que ce qui manque, ce n'est pas plus de politique, ce qui manque, c'est un meilleur engagement citoyen, une culture citoyenne. On pense effectivement que beaucoup des problèmes que nous traversons aujourd'hui, ils ont une source qui est beaucoup plus profonde. Les problèmes qui sont liés à l'éducation, les problèmes qui sont liés aux conditions sociales, au manque d'emploi, aux problèmes d'éducation. Toutes ces questions-là sont des questions qui sont fondamentales, qui doivent se poser et qui doivent être débattues dans l'ensemble de la communauté nationale. Ce n'est pas les politiciens qui arrivent à la tête d'un pays qui est déjà en faillite depuis longtemps qui peuvent trouver toutes les solutions. Et la position des citoyens engagés ne peut pas être celle d'attendre que les politiciens, par exemple dans le cas de Banzangungu, ou les politiciens de Kinshasa leur apportent toutes les solutions. Donc toute cette culture, toute cette approche des mouvements citoyens, c'est se prendre en charge, analyser sur la base de ses valeurs, de ses principes, comment est-ce qu'on peut apporter des solutions concrètes aux problèmes de notre environnement direct. Une question que vous avez évitée, on vous a demandé, la plupart des jeunes vous ont demandé de faire la politique, de devenir leur leader pour le jeune du Congo central. Vous avez semblé éviter cette question, mais c'est une demande populaire, pourquoi n'avoir pas accédé à cette question? Peut-être que la réponse a été mal comprise. Mon entendement d'un leadership, c'est avant tout un leadership qui s'impose par le service. Donc pour moi, quelqu'un qui fait un travail de leadership, quelqu'un qui est un leader, c'est quelqu'un qui a accepté de relever un défi, mais au même niveau que tous les autres, qui a accepté d'être une énergie qui arrive à libérer, si vous voulez, le potentiel qu'il y a dans chacun des membres d'une communauté. Et à mon avis, ce n'est pas un leadership tel qu'on l'entend trop souvent au Congo, comme quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui doit attendre de savoir ce que les autres peuvent faire pour lui. Donc la question du leadership, pour moi, ce n'est pas une question qui est une question de décision. On ne se décrète pas leadership. C'est une manière d'être, c'est une manière de se comporter qui est une manière de responsabilité citoyenne. Monsieur le syndicat, n'avez-vous pas peur aujourd'hui d'engager le peuple dans un combat où votre unique arme s'avère être la voix et uniquement la voix? Je pense au contraire que c'est ça qui est la force des Congolais debout. C'est le fait d'abord que nous soyons très nombreux et que tous nous engagions non pas pour un leadership, comme on le fait pour une tendance ou une personne, comme on le fait en politique, mais autour de principes. Et le fait justement que nous soyons très nombreux, nous sommes plus d'1 million aujourd'hui, c'est justement ce qui nous protège en termes d'individus plus les uns que les autres.